Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmisak Mapou Lakay. Nous portons un update pour qui a un rapport avec causé déportation par ici. Eh bien, il y a un juge fédéral dans Texas et qui est Drew Tipton. Eh bien, monsieur bloqué, yon l'autre fois encore, yon politique migratoire que Biden a gagné et qui est assez important, qui a un rapport avec déportation. Je vais rappeler non qui sa politique ça a été, on mémorandum qui a été publié. Parce que nous connaissons tout le monde qui travaille dans l'immigration, ça nous est IC, ils ne pas mettre tête. C'est des résolutions qui prennent. Mais dans les résolutions, ça qui ça a été dit. Toujours parler de boy site là. Il dit tout simplement, nous ne pouvons pas assez de ressources, nous pouvons prioriser. Nous ne pouvons pas parler avec des gens, ça veut dire, le fait qu'un monde illégal, ça pas suffit pour déporter. Puisque les ressources sont limitées, nous pouvons concentrer, force nous, nous pouvons prioriser, eh bien, tout individu qui posait une menace à la sécurité nationale. En d'autres termes, c'est une mesure qui, justement, qui te visée par tête frette, avec tout le monde qui illégal, monde qui gagne ordre de déportation, de critique à marcher, libé, sans inquiétude que si vous frappez bap pour bap avec un agent ici qui vous va le déporter. Donc, vous priorisez menace de la sécurité nationale, vous priorisez tout, monde qui fait entrer. Vous connaissez leur fait entrer à tout à l'heure, fait entrer, vous pouvez dire, m'entrer ou pour pas encourager. Mais dans ça qui passe, eh bien, nous gagnons Texas comme toujours. Et Texas est qui te traîné administration Biden dans la justice, ok? Et il se trouve que juge là allait dans la même direction avec revendication Texas, qui dit que Biden violait la loi lorsque justement il demandait pour ne pas déporter des citoyens paisibles qui sont illégaux. Puisque il dit, c'est pas ça la loi a dit. Parce que Mayorkas te dit, l'or illégal dans le pays, n'est pas suffisante, ça pas autorisé, sous base ça, simplement, on va dire, on va déporter. Ok? Eh bien, Nexao pété coquin. Quand Nexao, c'est partisan de déportation. Et juge là, ça le fait, je dis, eh bien, il rejette décision ça. Comprenez bien, il rejette. Et ça nous connaît pas, bon, ici, c'est toujours dit. Juge yo gen en pile pouvoir. Ou capable de combattre, ou capable de faire à pile. Mais ça veut dire, mais automatiquement, juge la retiré. Li vle di que agent haïtien, ou gonbon la de qui déjà en déportation. Pas oublier que leur agent dans l'État, ou pas obéir avec la loi. Ou la différence là? C'est le président prend une décision dans le cadre de la loi, mais automatiquement, un juge dit non le bagay. Ou pas pour tenter sa présidente dit non. OK? Maintenant, il y a là-dedans qui était déjà en déportation. Si tout le monde capte pas ici, donc c'est une délivrance pour eux parce qu'ils sont habitués à faire. C'est ça, vous faites comme job. Ces derniers jours, presque pas de job. Vous presque pas de travail. Comment le fait que vous limitez cause de déportation? Bien que nous connaissons sous frontière, son l'autre bagage, vous ne pouvez pas aller. C'est pas vous allez chercher sous frontière. Contrairement, OK. Maintenant, mais il faut préciser pour vous, décision ça qui prend hier, et bien entendu, juge la bail 7 jours. On dit jeudi à 11, on dit le 18, pour que Biden fait appel avant que les décisions ça entre dans l'application. Entrer en application. OK? Maintenant, nous allons dire, dans 7 jours, ça veut dire 18 juin, ça veut dire pour même peut-être qui pas grand rien dans le monde. OK? Vous comprenez ça, ou pas grand asile, pas grand, pas grand petit pied blanche. Chargez mon à pied. Il faut préciser à pied à tout, ou bien à pied, ou style. Dans le cadre de la loi, puisque vous avez une décision juge qui prend nous, au grand jamais, vous n'avez pas de décision juge qui prend nous, vous pouvez passer pour prendre. Mais nous connaissons des gens qui gagnent final order, déportation, qui ne gagnent pas de pièces, qui ne gagnent rien en main. OK? Ils sont à pied. Maintenant, nous allons dire qu'il y a implication, décision ça a gagné pour les gens. Maintenant, nous devons souligner pour vous. Monsieur, juste ça, autant de gens qui en relèvent encore, Drew Tipton, ce n'est pas la première fois, non? C'est lui-même, le Biden, de fait paraître, nous songez, une première décision Biden de prendre. Il dit, mettez ça au moratoire. Biden te dit, on pose pour 100 jours pour camper sur déportation. Le juge l'a été renversé. C'est un juge qui vient pour. En fait, la vérité, le plus gros ennemi Biden, c'est les juges nommés par Donald Trump. OK? c'est les juges, c'est plus gros ennemi Biden dans ce moment-là. OK? Et donc, voilà. Maintenant, ça veut dire que dans 7 jours, Biden va le gagner pour le faire à pile, justement, par rapport avec ça. Et c'est comme quoi, ça vous comprenez là. C'est que le bon président Biden qui a fonctionné sous l'ombrage de Donald Trump. C'est ça que ça veut dire. Je dis qu'on a un ensemble de décisions prises par l'administration de Donald Trump. Chaque fois Biden gagne là, il veut le renverser, autant d'un juge paraît, il dit ok, ça va qu'à faire fort Kembe. Donc, ben, ça, tout le monde grimace. Maintenant, en essayant de comprendre, maintenant, du Biden prend l'appil, très certainement, je ne peux pas garantir ça va passer dans l'appil là. Mais Biden, je pense que son case, il t'a supposé facilement gagner s'il est arrivé dans le Supreme Court. Mais, en pile temps, c'est le temps, ça prend. Mais femme d'où non même causé ça. Pour moi, ton côté, c'était républicain ou intelligent. Pendant ce temps, où tu as gagné Texas avec Louisiana, c'était Texas, Louisiana qui est allé dans le fédéral côté Texas. Gambon là, c'était encore Arizona et autres. Ils sont allés dans le côté tout, ils ont perdu. Quand ils ont fait, ils sont tellement intelligents. Bon, même dossier, vous comprenez bien? Même dossier, même politique ça. Comment on comprend même politique ça? Pour qu'ils n'ont tout pas foncé là devant ces juges. Non. Ils ont divisé, même dossier, ils sont allés dans Texas, ils sont allés de l'autre côté, ils disent si ça n'est pas bon, mais bon. Parce que l'objectif, c'est qui ça? L'objectif, depuis qu'on arrive à bloquer monsieur pour le moment, ils ont eu ça et ils ont préliminaire injonction. Et ça qui va pour comprendre préliminaire injonction, hein? Préliminaire injonction, elle va même dire fin procès, non? Son bagage, il la met dit en attendant que le procès avance. Puis il faut la donner ça au besoin. Il y a juste besoin d'un préliminaire injonction qui pour camper. C'est qu'on est ça pour le printemps. OK? Maintenant, en nous clair pour vous-même, Capitaine Dem, l'Ivre dit que dans 7 jours, par mesure de précaution, il faut pas faire mon paix. Mais il faut un petit gens plus prudent. Ça veut dire. Pour ne pas ouvrir le top, ça veut dire. Puisque si vous venez avec un agent ici qui malfaisant, il doit dire, bon, on pas connaît politique Biden, on pas là, moi, là, on pas gagné, on pas gagné, papier, on allait, non. Mais sérieux, hein? Dans cette journée, ça veut dire, s'il pas fait appel, si appel là, il pas gagné un rôle. OK? Agent ici, il doit avoir un airport. Ça fait un airport. Bon, on vit dans le pays, on pas gagné, non, mais on. Ou pas même une décision contre bagage, on allait mal avant. OK, alors que suivant l'administration Biden, le fait que le roi sans papier, ça n'a pas suffi pour le alder. Et c'est ça que je dis. Et donc il veut dire que dans 7 jours si bagage dit ou même peut-être qu'il y a un final order of deportation, ou pas gagne pièce, ou bagage non, ou pas l'obliger un petit gens véhicule. Et ça le dit. Véhicule. Maintenant en clair tout. Nous pas voulons faire mon paix dans ce sens que la vérité, c'est qui ça lie. Ça nous est l'enforcement à l'intérieur du pays. Nous te constatons. Même sous Donald Trump, tout le monde connaît, pas vraiment gagné une présence intense des agents haïtiens dans la zone. Pas de comprendre ça. Parce que, effectivement, les ressources sont limitées. Compte tenu de les ressources, c'est l'autre problème qui gagne. Ou pas, les USA, ou pas qu'à une situation côté, même gens ça qu'on fait, dans l'autre petit ilio, ou bien dans Saint-Domingue, ou pas qu'on regarde ces deux zones, mais immigration, il y a couru derrière le monde, il retourner. Pas gain assez de ressources pour faire un travail comme ça. Ça, vous comprenez, ok? On prend même sous Trump te choisi 2-3 jours pour lui dire, monsieur, nous allons faire une opération tel côté. En clair, il le dit, généralement, même lorsque vous avez un monde dans Trump, on ne peut pas supposer attendre comme quoi on présence ici, tout côté. C'est quasiment impossible pour vous faire. OK? Nous tous connaissons, et présence ici, toujours dans des points névralgiques. Là, on traverse de un state à un state. Là, on a un airport. Est-ce que vous comprenez? So, il y a des points d'inspection dans state radio. C'est une des choses. C'est côté au cas plus rencontrer, est-ce que vous comprenez? So, on monde capable de faire une opération, je dis bien, oui, mais si il y a marché pour un monde. Des fois, ça qu'on passe, si qu'on déplace, effectivement, il vient derrière un monde. Vous comprenez ça? Mais généralement, ce n'est pas des citoyens paisibles. Il est très rare pour si tu viens déplacer expressement pour venir derrière un citoyen. C'est un citoyen paisible, vous comprenez? Donc, il y a en opération, il vient chercher un monde de manière spécifique parce qu'il y a un rapport sur le monde. OK? Eh bien, étant sous audio, ça arrive que si vous êtes sous audio, vous tombez sous nos non, vous tombez avant. Mais avec la décision Biden, si vous êtes sous audio, vous tombez avant. On me dit bien oui, avec le mémorandum Biden, mais madame l'a dit, il y a clair que vous pas mettre dans liste déportation, pas faire priorité. Et ça même madame ça dit. Et même madame ça, elle est tellement plus loin, il dit si par exemple il y a un ici tu as décidé d'arrêter, il faut l'expliquer par A plus B sur qui base. Sur qui base que l'arrêté là. Il faut le rapport à superviseur, il n'est pas de free. Voilà pourquoi en pile petit monsieur républicain, il senti quête et alors là, ils ont limité agents ICO et autres, ce genre de choses. Donc, ils ont même décidé d'aller avec dossier ça. Ils ont décidé d'aller avec lui dans la Federal Court. Et nous sommes capables de dire que c'est une victoire partielle, puisque la justice a fait couler, il a bien pour faire appel, et pour nous connaître exactement qui ça va passer. Et éventuellement, il est capable de venir dans le Supreme Court. Maintenant, ça vous dit, c'est malheureux pour nous que, effectivement, on ne peut pas compter qui va les politiques au niveau de l'immigration, que depuis Biden vient avec autant de on juge bloqué. On se demande, juge, en fait, you're not dead. En fait, dans tout bagage, juge a fait, dans tout ça, vous fait même, vous n'avez pas pensé, vous fait qui est plus grave. Beaucoup de gens entendent ça, et puis là, alors là, si vous n'avez pas pensé, vous fait plus grave. Vous arrivez au niveau, vous fait injonction à gouvernement pour aller négocier avec un pays international, qui c'est le Mexique, pour retourner avec une politique. La politique internationale a toujours été de la responsabilité du pouvoir exécutif. Ça nous est les relations internationales. Dès qu'on a une relation internationale, même le Parlement le plus souvent dit pas là-dedans. Vous comprenez? Le président met pour ça. Négocier les relations internationales, c'est de l'ordre de l'exécutif. Je parle de ça, nous, les Rimeni Mexico Policia. Quand un juge passe l'ordre avec le pouvoir exécutif là, à négocier avec un third party, et bien, ce territoire, pas, non? C'est-à-dire, nègre la traverse les frontières dans la décision, non? Comprenez bien, oui? Un juge traverse les frontières dans la décision, la prend. L'imandé, un pouvoir exécutif, traverser à l'international, dégage pour qu'on connaisse. Pour renégocier avec le Mexique. On compte sa négociation. On le dit, négociation c'est moins bord ou bail. Négociation en fait comme ça, les Mexique font concession, c'est qu'ils a besoin d'un bagage. Donc, ou est dans qui j'ai mettez en pouvoir dans Tissoulio, m'bral négocier avec Mexique. Mexique déjà qu'on est au courant, c'est un juge qui force, c'est au moment de la durée, Mexique doit faire un ensemble de comme l'a dit ça là, un ensemble d'obligations. Et autres, et puis moi-même, je n'ai pas tellement marge de manœuvre. Ok? Je pense que dans toute bêtise, ça qui est plus grave là, c'est lorsque vous n'avez pas assisté, il y a un juge qui prend des décisions qui allaient au-delà de la frontière des États-Unis. C'est une véritable aberration. Et il va falloir, quand c'est le moment de la durée, que justement, le Supreme Court intervient pour établir le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Autrement, il faudra que nous suspendons parler du pouvoir exécutif. Mais pour comprendre le problème là, en France, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'immigration qu'il faut résoudre. Un problème sérieux. Et la réponse, c'est pas nécessairement, c'est pas, réponse là, c'est une réponse politique. Il n'y a pas qu'une réponse qui est quittée au niveau de judiciaire. Bon, clairement, Biden va répondre sur tout. Biden commence à mettre des juges tout. Biden a bien à juger là tout. Mais il ne va pas continuer comme ça. Biden commence à mettre des juges sérieusement là tout. Bien avec juge. Vous comprenez? Et je pense que Biden, si il y a un bagage pour le faire là, c'est des juges surtout au niveau de Texas, parce que forme d'où que Trump fait ça très bien au niveau des juges de Californie. Elle met un bon valet. Je ne dis à soit aller dans Californie avec un dossier. Pas de garantie que les démocrates sont obligés de gagner. Maintenant, Biden, réciproquement, il faut le bien Texas avec des trois juges. OK? Il faut le bien Texas avec juges. Bon, bien que il faut le dégager, le pressé. Dans novembre, papi, il leur dit juge tout. Il faut gagner tout contrôle Sénat. Il faut le dégager, il va la mettre là. Couler là pour le mettre, puisque on ne sait pas encore, il y a un pile doute. Est-ce que les démocrates, pour l'arrivée, garder le Sénat, c'est politique? C'est point d'interrogation. Donc voilà, guys, et je souhaite que nous comprenions, j'aime présenter nos dossiers, et nous allons dire, nous ne pas dire pour nous faire paix, nous ne pas dire pour nous faire paix, pour tout le monde dire, pas sortir, nous disons, mais j'en bats là, vous comprenez? Et mais j'en pour comprendre, c'est dans 7 jours, et nous toujours disons que, même du temps de Donald Trump, les ressources de département de sécurité toujours limitées, Yo pas fonctionné même gens nous dans l'autre anti yo et autre son façon pour pas ta gon peur bleu mais nevertheless et ça va dépendre de ça sorti dans ces jours ou supposé compte tenu que eh bien bagay yo pas même gens n'importe agent ici justement qui rencontre li gen doit regarder livre li parce qu'il va mettre tête li il dit bon moi même là m'gen doit prendre là oui m'gen doit prendre même là ou pas on menace pour la sécurité nationale. Et ça vous comprendre. Et comme ça vous comprendre le dossier. OK? Donc voilà guys et moi t'ai porté update ça pour nous. C'était un véritable plaisir. Bye bye tout le monde.